Objet nombre SCP-89. Toffée. Classe Euclide, voir ci-dessous. Procédure de confinement spécial. SCP-89 est entreposé dans un conteneur de transport spécial sur le site 36 et surveillé dans l'attente d'une prise de parole de sa part. La FIM MU-89, composée de personnes ayant suivi un entraînement avancé en langue, en psychologie et en diplomatie, a été constituée afin de réagir à un tel événement. Quand il se produit, la FIM MU-89 doit traduire et interpréter les paroles prononcées, ainsi qu'identifier les principaux protagonistes impliqués désignés par la suite SCP-89-A et SCP-89-B avant d'exécuter le protocole M8 qui consiste à amener SCP-89 au lieu où se trouve SCP-89-A et expliquer le protocole M8 à SCP-89-B pendant que SCP-89-B est amené à exécuter volontairement le protocole M8, procurer à SCP-89-B toute l'assistance demandée pour la réalisation des actions suivantes, placer SCP-89-A dans la cavité avec des matériaux combustibles comme du charbon ou du bois ouin, puis y mettre le feu. La bonne réalisation du protocole M8 requiert la participation volontaire de SCP-89-B dans un état conscient et avec son consentement. De même, SCP-89-A doit être en pleine possession de ses moyens lors de l'exécution du protocole. L'immobilisation sans sédatif de SCP-89-B après l'allumage est conseillée afin d'éviter toute interférence avec le déroulement de protocole, celui-ci causant la mort de SCP-89-A dans d'atroces souffrances. Si SCP-89-B refuse de se conformer aux instructions précédemment mentionnées, les membres de la FIM MU-89 doivent lui expliquer les conséquences possibles d'un échec du protocole M8 et faire tout leur possible pour convaincre SCP-89-B de coopérer. Si les efforts de MU-89 s'avèrent infructueux, SCP-89 doit être reclassé en côté et le protocole M9 doit être exécuté. CF Document 089-M9, l'usage de l'intimidation, de la menace, de psychotropes ou de médicaments propres à altérer le jugement de SCP-89-B, ainsi que toute tentative visant à réaliser le protocole M8 sans sa participation ou son consentement, ou de toute autre manière que celle décrite, sont strictement interdits. Ces actions annulent le protocole en cours et sont connues pour intensifier les événements de type SCI rapportant. Il est aussi recommandé, bien que ce ne soit pas nécessaire pour le protocole M8, d'accompagner l'exécution de la seconde étape du protocole de sons de corps et de percussion qui sont susceptibles de couvrir les sons émis par SCP-89-A. Dans le cas d'une exécution réussie du protocole M8, les événements de type S associés commencent généralement à se calmer sous 7 heures. Description: SCP-89 est une statue de faïence vitrifiée mesurant approximativement 3 mètres de haut et représentant un humanoïde ailé à tête de taureau ayant la bouche ouverte. La face avant du torse de la statue est articulée et peut être ouverte par le haut pour révéler une cavité d'environ 0,6 m3, elle peut être fermée de l'extérieur. L'arrière de la statue porte une inscription dans une langue cananéenne, peut-être du punicain. L'origine de la statue remonte approximativement au 2e siècle avant notre. La statue prend la parole de manière irrégulière. Certaines annonces sont espacées de plus d'un siècle. Le mécanisme utilisé pour émettre ces sons n'est pas connu, et la bouche ne bouge pas. Les paroles de la statue sont en langue cananéenne, probablement le même dialecte que celui des inscriptions et énonces. Le nom, ou une description, de SCP-89 a le désir de voir s'accomplir le protocole M8, ainsi que les instructions pour le mener à bien. Une description métaphorique de l'événement de type S lié. Chaque annonce est suivie, dans une période de 3 à 11 jours, du déclenchement d'un événement de type S correspondant à la description donnée, à moins que le protocole M8 n'ait déjà été réalisé. Chaque événement de type S relève de l'épidémie, de la catastrophe naturelle, de l'hystérie collective aboutissant à un génocide ou un massacre, ou de tout autre incident entraînant de lourds dégâts ainsi que de nombreuses pertes humaines, et perdurera jusqu'à la réalisation du protocole M8. Dans chaque cas répertorié, l'événement de type S associé, bien qu'étendu, s'est limité à une zone géographique telle qu'il n'a pas affecté directement SCP-89-B. Dans certains cas répertoriés, cela a conduit à un événement de type S de longue durée, SCP-89-B n'étant pas au courant du désastre, du protocole M8, ou refusant d'y prendre part pour arrêter l'événement de type S.
À chaque annonce, SCP-89 A s'est avéré être un bébé ou un enfant en parfaite santé âgé de 8 mois à 6 ans et SCP-89 B était la mère biologique de cet enfant. Dans tous les cas documentés, SCP-89 A et SCP-89 B étaient vivants et entretenaient de solides liens de confiance et d'affection au moment où la statue s'est exprimée.